Bakambia ekolo Congo, tola kisa bolingo namboka na biso. Tola ndanda kisa ya baye bakenda pona bolingo ya mboka Congo. Congole ya mboka Congo, telema bundela mboka na yo. Tandanda kisa ya baye bakufa le 4 janvier 1959. Debout congolais, la nanda kisa ya baoyo basopa makila pona lipanda ya Congo. Banda mbutama ya mulungu Congo Afrika mpasi na mpasi kuke babangu na kadia mpemba biblia na maboko kukosa bazambi Afrika. Banda mbutama ya mulungu Congo indo mpasi na mpasi kuke babangu na kadia mpemba kukutana monoko kukosa bazambi ya Congo. Tubuya bunzambi ya ba mpaya Matéya ya 1482. Peuple noir d'Afrique et de partout, revendiquons notre identité, car un peuple sans culture est un peuple sans âme. Par exemple, sur le Congo Moja, c'est voilà. Je dénonce un peu ce qui se passe dans mon pays parce que ça fait pratiquement 15 ans que cela dure. Mm-hmm. Les guerres, les viols de femmes. Alors, je me suis dit, voilà, j'ai une seule arme, c'est de chanter et de faire valoir mes idées. Mm-hmm. Voilà. De faire entendre aussi oui, tes idées. Oui, parce que dans la chanson, j'ai dit, voilà, il faut que mes compatriotes prennent conscience, aiment la nation congolaise en fait de la défendre parce mm-hmm. que ce n'est pas possible. Pendant 15 ans, les femmes sont violées alors que demain, on célèbre la journée de la femme. Ouais, voilà. Effectivement. Et j'exhorte aussi la communauté internationale de vraiment de regarder pour ne pas être inerte dans ce qui se passe dans mon pays. Voilà. Donc, je lance un appel pour tout ce qui nous entend. C'est-à-dire complice de ces faits de société où la femme est toujours... Oui, oui, parce que dans les discours, on nous fait croire qu'on défend la femme. Mais bon... Dans la réalité, mais ce n'est pas le cas. Ouais, on est toujours en retard. Ouais. C'est cette différence, la différence. Hein, c'est mais un oui. mot qu'on pourrait le mettre dans d'autres domaines. Hein. Ah, ouais, la ouais. femme, les ethniques, la couleur, ouais, ouais. l'handicap, ce sont des choses qui me bouillonnent. Franchement, surtout l'injustice, je suis contre l'injustice. Ah. Et ben voilà, je suis pour que la personne humaine soit respectée. Hein. Lorsqu'on dit liberté, égalité, fraternité, bon, je ne crois pas c'est, tellement. C'est ça, des mots, c'est que oui, des mots. Oui, mais voilà. Donc je crois que chacun, au fond de lui, a ses principes. Mm. Hein, a ses principes, donc respecter l'autre, voilà, tout simplement. Puisque tu parles de l'Afrique, quel regard, à part les paroles, les mots, le ressenti, quel regard tu portes sur l'Afrique en général? Est-ce que tu penses d'ici peut-être 50 ans ou peut-être même avant que l'Afrique sera dans sa globalité, il y aura moins de détecteurs comme on dit? Bon, moi j'ai dit, j'ai un regard mitigé. Voilà. Est-ce que tu es un homme pessimiste ou optimiste? Non, je ne suis pas pessimiste. Ou même fataliste? Mais pour, non, pas du tout. Mm-hmm. Mais pour l'instant, j'ai un regard mitigé. Mais bon, dans l'avenir, je crois. T'as l'espoir. Oui, parce que tu sais, vous savez, la vie, c'est tout un cycle. C'est parti de l'Afrique, ça traverse la mer pour mm-hmm. arriver à la Grèce et Rome. Et maintenant, on voit la montée de la Chine, mais qui sait, peut-être un jour, ça va arrêter encore sur l'Afrique. Ouais, ouais. Voilà. Donc, toutes les richesses de l'Afrique, tu ressens
On les viole même, je dirais. On les pioche. C'est un terrain très glissant parce qu'il y a certaines vérités qui ne sont pas bonnes à dire, mais tout le monde sait bien que l'Afrique, c'est un pays, un continent riche. Ouais. Mais un continent riche, mais qui est gorgé de pauvres. Ouais. Et comment expliquer cela? Ben, selon toi, c'est pas fait exprès, ça? Ah ouais, c'est tout un système qui a été installé par les autres. Bon, voilà. Est-ce que la jeunesse, souvent, puisqu'il y a une chanson qui fait polémique en ce moment avec Goldman, est-ce qu'on ne pourrait pas redire la même chose, de dire la jeunesse africaine ne devait pas prendre en main et pour arriver, c'est faire valoir ses droits, d'agir, comme on dit. Oui, mais la jeunesse africaine se réveille, ça c'est vrai. Ouais. Mais bon, ils sont étouffés. La jeunesse est étouffée par les dirigeants qui sont là que pour leurs propres intérêts. Est-ce que l'Europe ne contribue pas à ce phénomène aussi? Absolument, ça c'est vrai. Puisque la Chine, puisque tu parlais, la Chine est complètement entrée dans l'Afrique en ce moment. Et les Européens lâchent un petit peu l'Afrique peut-être. Non, mais c'est pas question. Non. L'Europe ne pourra jamais lâcher l'Afrique. Ah, d'accord. C'est une question. Non, hein. C'est ce qu'on nous fait croire. Mais bon, l'Afrique, l'Europe est toujours là. Parce que sans l'Afrique, de toute façon, sans l'Afrique, l'Europe n'existerait pas. Ouais. Sur tous les plans, je veux dire. Donc, c'est le poumon même économique du monde. Mm-hmm. C'est l'Afrique. Mm-hmm. Mais malheureusement, on vit, c'est que voilà, il y a des maladies qu'on nous envoie pour exterminer la population. Pour quelles raisons, je ne sais pas. Bon, la Chine elle-même, elle est là. Moi, je crois que les Africains doivent se prendre en charge. Mm-hmm. Parce qu'on ne peut pas toujours attendre des Européens, des Chinois, des Turcs. Non. Mais après 60 ans, je crois qu'il y a des gens capables de redresser l'Afrique. Mm-hmm. C'est comme on dit, hein, de toute manière, qu'il soit en Afrique ou dans le monde, c'est chacun qui doit se prendre en main, bouger. Si on ne veut pas une société dite consommation en négative, c'est à la jeunesse, génération, comme on dit, de faire avancer les choses. Et il suffit de prendre en main. Et je pense, de tout temps, l'homme a toujours ceux qui ressentaient la démocratie, allait tomber dans les mains du fanatisme, eh bien, ils ont toujours su préserver ça ou prendre en main des situations.